Lumbweki et Lumbweki. En ce jour, 28 septembre, l'an 2024, 28 septembre 1985, jour pour jour, un grand événement se déroula dans le Congo central, plus précisément dans le territoire de Lukaya. Mes chers amis, il est exactement 10 heures sur la place de Paris. Et ainsi donc, comme ça tombe exactement à l'instant de 10 heures, je vous invite à une courte prière. Tout samba. Munazola kwangese, tata gisolo kele lukelo. Ngeye yimpe veyase. Fumweto Yesu Christo. Tata dialungana kiangani. Njona. Watengo na menga maniku na Golgotha ye wunudiaka kena kya makumole ye nana mungonda ye sepetambele muna botu hindu di muna mvua funda di mosinka mavua makuma nana ye tanu Golgotha diampa diamoneka diaka gara furutuboke lengevo ki kulukuta gana madimba fumoto Yesu Kristo tata diangenda kutata dialunga na changani e mwanda wa velela tata diangenda kuntima ingeye tata simone kimangu changani sedia nkenda sedia wala kazi vangia zulu yenza yelekwa ya wonso ne mubiau zulu yikunda kiaku ntoto yinsiku yikunda ngatambi kiaku tulubokele le mlokola kia wunu kadi tunalu hindulu muna lumukine kia saku bade nene da mwone kia kujanta angu ngeye mfumo to Yesu Kristo tada lunga na kiangani waki yekola mpasi longo watu kitula tata simoni kimangu kiangani utuloloka utufile nkenda tulubokele le katika program ya wunu bika watu yandala watu yikama muna maonsono Nzambu zange mfumo tu Yesu Kristo tatele lunga na kiangani. Zola kwa ngewa nzambu wa seta tata kisura kile lukelo. Muna tuadi ya vumu nukia muanda wa vela. Ngeye tata kimbangu kuntima kiangani. Tulo manga mawonzo no. Amen. Mes chers amis, au nom de papa kisura kile lukelo, mon modèle politique. Donc c'est Dieu le Père. Du Fils, le Christ Jésus, papa dialunga na kiangani. Dont est l'objet de notre communication aujourd'hui. Et le Saint-Esprit dit Papa Dienginda Kuntima, en la personne de sa divinité, Tata Simon Kimangu Kiangani. J'ai mon confrère depuis Nkamba, non, Kinshasa plutôt, qui est en train de m'appeler. Je veux savoir ce qu'il veut. Mon DG Longo. Je veux prendre son appel. Avant de continuer mon programme, parce qu'on a un jour de loukoulou. Tata Walongo, je suis en plein live. Hein? Tu t'es fait du Boutamoutou. Il y a en plein live, il y a loukoulou. Il y a le Kikoulukuta plutôt, Kikoulukuta. Alors, qui sait quoi? Vous n'avez mis la route, il y a un peu de Kundima. Mais vous n'avez pas de Kundima. Ok, vous avez un peu de Kundima. Ok, d'accord. Je suis un document mon boy. Je suis un document mon boy. Je suis un PDF. Je suis un papa. Je suis un document mon boy. Fuka Bundu. Je suis un document mon boy. Fuka Bundu. Je suis un document mon boy. Fuka Bundu. Traduction Lingala. Ah, Lingala peut-être. Je suis un version du Congo parce que je suis un Kamba. Je suis un Sagasek. Je suis un Kamba. Je suis un version du Congo. Mais version Lingala. Je suis là. Merci.
Alors, bonne fête, Mouda Mouda Mbasso, bonne fête, hein. Ok, ok, merci, Baïma. Mais ça m'a l'air de vous dire. Merci. Alors, je disais tantôt, on est un jour spécial. Jour pour jour, si nous regardons le chronos, 1985-2024, ça fait exactement 39 ans. Et 39 ans, on m'a nommé, chez nous c'est très significatif. On a le chiffre 3 et le chiffre 9. 9 plus 3, ça fait 12. Et 12, c'est 1, 2, ça fait 3. Donc les 3 glorieux. Ma communication de ce jour, c'est par rapport à cet accident mortel du Christ Jésus, Papa Dialungana Kiangani, dans le territoire de Lukaya, à cet endroit qu'on appelle Madimba, Ovoki Kulukuta. Avant de continuer, je suis Wenda Kubatele Diakongo. Wenda Kubatele, c'est la signification de mon pseudonym, mon surnom, Godi. Godi, qui vient de mon prénom d'importation chrétienne, Godefroy. Ça veut dire la paix de Dieu ou Dieu de paix. Et quand je grandissais, mes parents avaient jugé utile de prendre le God et le Y du froid qui a fait Godi. C'est la pratique occidentale. Mais quand Papa Simon Kimbangu me redisposa des capacités naturelles de l'endroit où j'ai décidé de revenir sur terre, le Congo, en tant que communicant, il dit Wenda Kubatele. Go, c'est-à-dire qu'est donc le BMS, parce que mon père, mon modèle spirituel, celui qui m'a envoyé sur terre, mon employeur, Papa Simon Kimbangu, il a appris, physiquement parlant, en tant que forme physique, chez les BMS, la British Missionary Society, donc Ngelezo. Alors, eux, Ngelezo, aller veut dire go. Donc, aller, Wenda. Et le dit, je le prends de la culture francophone, dire, Wenda Kubatele, viens leur dire, donc, je suis Mwangisi Wanzamu, je suis disciple, je viens vous dire, je vais vous dire, Wenda Kubatele, ce que je prends de la part des trois glorieux. Et donc, Wenda Kubatele, Diakongo, je suis Diakongo. Que Diakongo, le Congo, c'est mon appellation nicodémique. Parce que quand je suis revenu sur terre, le 9 du troisième mois, en l'an 72, eh ben, Papa Diangenda me disposa dans la partie rive droite du Congo, à Kinkala. Le 9 mars, un jour de Jupiter, le Mukankenge, autrement dit jeudi, c'est là-bas que donc je repris forme physique pour pouvoir venir réparer ce que j'avais laissé antérieurement. Ainsi donc, 72, le 2, 7, 2, 72, 72, le chiffre de renouvellement, le 9. Et là, de par mes parents physiques, mes intermédiaires par lesquels je suis revenu sur terre, c'était Madzoum. Extraordinairement, dans ma postérité chromosomique, nous sommes nés 6. Il y a eu mon frère aîné, DJ Merlin Madzoum Malonga. Après, il y a eu Berthe Madzoum Mundele. Après, il y a eu Mireille Arlette Geneviève Mungiza Madzoum. Et il y a eu moi, qui n'avais pas de post-nom. C'était juste Ruffin Godefroy Madzoum, c'est-à-dire MGR. Madzoum Godefroy Ruffin. Et celles qui me suivirent, Bayulula Madzoum Diabayulula Natacha Lidi. Et la toute dernière, Djantsonsa Madzoum Priska Roselyne. Et moi, qui suis entre les quatre filles,
J'avais pas de poste, non. Il a fallu que papa Simon Kimbangu, quand il me visite en janvier 99 au 26, au 29 avec Léon Blum, au Tartéret, à Corbeil-Essonne, eh ben, je suis né nicodémiquement. C'est-à-dire, il me donne mon appellation naturelle, mon appellation céleste, Dia Congo. Ainsi donc, il a fait la démarche lors du centenaire de Padien Genda Kuntima, évidemment toujours lui, parce que mon titre de travail, c'est Madzumu. Parce que le patronyme que j'ai de par mon père physique, parce qu'il s'appelait Malonga Madzumu, et ce Madzumu, la Medzumu, la partie Teke, ou Enakubate, Medzumu, qui est en mouvement, Medzumu, et bien, Madzumu, c'est le messager africain, divinement zélé, pour l'officialisation de l'union matérialisée de l'ordre universel. C'est mon titre de travail. Donc, je suis le messager africain, et je pèse les mots, s'il vous plaît, Afri en Ukraine. Pas les Africains qui vont faire la courbette à l'Occident. Non. Je suis Dia Congo. Mon titre de travail, c'est, voilà, messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérialisée de l'ordre universel. L'ordre universel qui viendra nulle part ailleurs, sinon que d'un Kamba, qui est notre repère, qui est notre centre névralgique de vie, car c'est dont nous allons faire objet de la communication, parce que ce jour-là, le Christ Jésus, qui est un Kamba, il sera à Kinshasa pour aller célébrer, participer, répondre à une invitation d'un certain Argentier, Moutou Alzoulamboté, Moutazeto, Fumundo Mbassi. Et donc le Christ Jésus déplace donc Kamba pour se rendre là-bas à Kinshasa. Mais il arrive, il parvient pas à arriver à Kinshasa. Il connurent cet accident mortel de Madimba. Comprenez cela. Kikulukuta. Ma communication 85. Les trois glorieux. Papa qui solo kele ukelu. Papa dialunga na kiangani. Papa diangenda kuntima. Ils sont trois en un. L'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Tata ki mamu kiangani. Mais Ils connurent des événements accidentels. Sakuba. Avant de continuer, on dit souvent, avant de parler de choses nouvelles, on a des repères des choses anciennes, les référencements. Ainsi, moi, mon référencement va partir ici. Suivant, ce jour-ci, c'est le jour que commença le ministère d'Atati Mwanda Dieu de cet esprit, ici-bas sur terre. Ce jour-ci, pourquoi c'est ce jour-ci? Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, prend forme physique le 12 septembre 1887. Vite fait la chronologie. 34 ans, il commence le ministère. Donc, il est âgé de 34 ans. Le cerveau, ils sont 21. Mais ce corps-là est appréhendé. Ce corps-là va s'enfermer pendant 30 ans dans une cellule qui mesure 80 cm sur 120. Et si 80 cm de large, il reste là-bas en prison pendant. Il enferme son corps physique là. Mais en tout temps, il fait ce qu'on appelle un jeu. Il se partage en trois. Lui qui est esprit,
il se partage en toi. Papa Kisolo Kele, 12 février 1914, le Christ Jésus revenu de nouveau sur terre, 25 mai 1916, et lui-même qui accomplit sa prophétie, je mets en fond sonore, font, il dit, moi, le 3 septembre 1910, il est en train de jouer avec son ami d'enfance, Tata Gumpenda. Tata Gumpenda, dans les agissements, eh ben, papa Dian Simon Kimbangu s'allie de par les clabousures du noix palmiste, eh ben, le vêtement de Tata Gumpenda. Tata Gumpenda se plaint. Papa Kimbangu le rassure, il dit, mon ami, rassure-toi, regarde ce noix palmiste là qui a cet vêtement. Je le transforme. Il était pas consommable, mais en faisant le geste, la noix palmiste devient consommable. Ainsi, il ingurgita. Papa Kimbangu d'ajouter, c'est comme ça que le Christ Jésus transforme ce qui est mauvais en bien. Et il compléta l'échange en disant que moi, Kimbangu, que tu me vois ici, je veux naître de nouveau. En 1918. Et chose surprenante, le 22 mars 1918, dans sa postérité, Mounaya Andi Nkuna, Routini Mouane, Papa Kalenkoum, Kuntima Dienge, Ndiambudina, Doudaki Solokela, de Lunga Nakopeto, Dilet Kuntima Poussid. Alors, Papa Kimbangu vient naître. Mais avant de venir naître de nouveau, il y a une démarche d'accroissement spirituel ou physique. Parce que le service 21, Papa Dienge Ndakuntima, a 3 ans. Papa de Lungana a 5 ans. Papa Kisolo Kele, mon modèle politique, a 7 ans. Mais Papa Simon Kimbangu, ce savant que ce corps va connaître une forfaiture, et bien ce dernier prit les dispositions. Ces dispositions consistaient qu'il va reprendre son corps physique. Mais il a fallu un acte. Cet acte, le 29 juillet 52, Papa Simon Kimbangu vient voir son fils, Papa Diangenda Kuntima, en disant Kindiangenda. Je vais te demander d'aller voir ton frère. Et là, avant de continuer, le récit la plus facile, c'est celle de dire ce que dit mon père, mon modèle politique, l'Éternel, Yahvé. C'est lui qui le fait état, un certain, en cette date anniversaire, du 29 juillet 1986. Et ça, une année après, l'année où Papa Diangenda dit, 1985, que mes chers enfants, dorénavant, là où vous êtes assis, vous êtes rassemblés, en train de cogiter sur ce qui est donc du bien-être de l'humanité sur Terre, donc le kimbonguisme, eh ben, vous devez vous réapproprier de la constitution humaine. Parce que 52, Papa Diangenda Kuntima, le 15 novembre, bientôt l'année prochaine, des AEPAKI, là, ce sont des enfants des pasteurs kimbonguistes, c'est-à-dire des ecclésiastiques, les enfants des ecclésiastes kimbonguistes, le 15 novembre, à Maluku, rue Maluku, eh ben, Papa Diangenda Kuntima transpire du sang. Et là, ici, parlons donc de Lukulu. Lumbu kiantila sebu kia lungana. Epasye. Menga mame matalo matengo kamunanzila. Mbila se ya tambu zila yo. Muna kulu katula. Mukinkole kia satana. Mfumu isumpe wako mwava Makuluzu Menga mandi matalu matengo kamu vulu zenza Pasinza ya vulu zwa mumbi Yeya bakalu vuvamu Nateya kwele mvu Lumbu kia ntila sebu kia lungana Le jour où mon père
m'avait promis que le jour va s'accomplir. Mon sang tressaillit. Mon sang fut versé sur la route du Congo central. Menga mame mandalu matengo kamunanzila. Mon sang fut versé sur cette nationale numéro 1 qui relie Kinshasa à Matadi. Écoutons ce que dit mon modèle politique, Dieu le Père. Je suis son fils. Quand je dis père, tel fils. C'est-à-dire le côté père. Père, P-A-I-R-E, pied gauche, pied droit. A-I et E. E. Batata m'voile. On est le mardi. Batangavo, Kakala Lobo Kianson, Kiansona, qui a été jeune. 29 juillet 1986, nous sommes dans la commune de Matiti. Suivant l'oracle de Dieu le Père. Parce que ici, il est fait état de l'accident de Lukulu, qui est en analogie avec l'accident de Kikulukuta. 1985, 58, 58, 8 et 5, 58, 85, c'est la même chose. Dans le cadre de la guématrie du parc Nungupelekete, le Mandombe, si vous prenez le chiffre 8 associé au chiffre 5, il vous ressort le nombre 13. Et le nombre 13, c'est 1 plus 3, ça fait 4. Et 4, je me rappelle d'une prédication en Kama où le prédicateur nous parle des chiffres, parce que le chiffre, nous, on m'a nommé, on appelle ça Ntalu, Mugikongo, Ntalu. Il y a dans Ntalu, il y a ce qu'on appelle, en faisant Pakundungu, qui devient Pelekete, Pelekete devient Pakundungu, c'est Luta, donc le bénéfice. Eh bien, nous faisons usage des bénéfices des chiffres, ça veut dire Bo, le 4. Le chiffre d'orientation. Songanzila. On est donc où Papa Diangenda dit dorénavant, là où vous êtes rassemblés, vous devez me lire la constitution humaine. Exode 21 à 17 ou Deutéronome 5, 1 à 21. Alors, papas et mamans, mes chers followers, ici, je vais appeler Papa Kisolokele Lukelu. Je vais vous faire état de son oracle qu'il a tenu à Matete, expliquant. Parce que à partir de Lukulu, Lukulu, Kulu, Kikulukuta, Kulukuta, Lukulu, on en reparlera, venez apprendre le mandat, vous allez comprendre. Le chiffre U, le chiffre de Lubu, le 2. La dualité, c'est-à-dire nos papas, Papa Gisologue et Padilo Panangela Moutima, avaient un corps physique, et le corps physique, c'est-à-dire que l'esprit, Saint-Esprit, Dieu, Esprit, qui a pris corps. Donc en eux, il y avait la dualité, le doublement. Nous autres, dans Molimo. Ainsi donc, de Lubu, allons suivre ceci. Leur sang fut versé. C'est pas l'argent. Ils l'ont sauvé autrement. Oui, Tukudilu. 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 Papa Kisolokele parle.
suivant l'oracle de Dieu le Père, le fort, c'est-à-dire Charles, Daniel, donc le Dieu juge, il va parler par Andromise, où est donc les Diakongo, messager, africain, divinement zélé, pour l'officialisation de l'union matérialisée de l'ordre universel. Cet ordre ne viendra nulle part ailleurs, sinon que de Nkamba. Nkamba, Nkamba, Yelusele, Midiampa, Manza, Velela. Si vous n'êtes pas Nkamba, vous êtes zéro. Bavala. Vous relevez Nkamba, ko. Luki bebe, c'est Kweno. Toulana Fumalo. Tata. Kisolo Kele, Lukelo. Nous sommes donc, disais-je tantôt, Kianzona en 25, parce qu'on m'a nommé 29, en 25, si vous, on lance 65, Kumatete. C'est-à-dire le 29 juillet 86, correspond au monde calendaire de Kibangimu, de Kibangimu, de Kibangimuna, le 25 de si vous, on lance 65. Nous sommes donc au 28e anniversaire de 58. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa qui se loquait le Goudima, Papa qui se loquait le Loukelo parle. Ça les boutiques. Non, c'est important suivant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa et maman, je crois bien que vous connaissez toute la raison profonde de notre culte d'aujourd'hui, 29 juillet. En 1958, cette date était vraiment pathétique. Caractérisé par l'accident mortel de Papa Diangenda Kuntima, que l'accident mortel que Papa Diangenda Kuntima avait fait à Lukulu. Avant cette tragique date, Papa Kisoloke Lukulu parle, j'avais reçu le 28 juillet 1958 à partir du Mayomé un coup de fil de sa part. Il m'avait fait part de son intention de me rencontrer afin que nous puissions nous entretenir sur le compte rendu du voyage que j'avais effectué en Europe pour le compte de l'Église auprès du ministre belge des colonies en vue d'obtenir la reconnaissance de notre Église, car nous n'avons pas pu nous entretenir longuement au sujet de mon voyage. Dès mon retour à Kinshasa, je devais immédiatement regagner le Mayomé sur l'ordre des autorités coloniales. Le résultat de mon voyage en Europe était très positif. Nous avons obtenu ce dont nous avions besoin. En outre, mon voyage s'était bien passé à l'aller comme au retour. Papa et maman, au retour de ce voyage, mon séjour à Kinshasa était très bref à cause de la pression de l'autorité coloniale. C'est ainsi que Papa Diangenda Kuntima me téléphona le 28 juillet 1958 pour m'exprimer son intention de venir à Tchela au sujet du voyage que j'avais effectué en Belgique pour des raisons évoquées si haut. Papa et maman, j'aimerais que nous soyons tous des vrais chrétiens ayant une conduite
irréprochable vis-à-vis de Dieu. Car sans son assistance, Papa Mfumwa Longo ne serait pas aujourd'hui en vie. Parce que cet accident était vraiment mortel. Mais l'Éternel a démontré à travers cet événement sa puissance pour prouver à nos ennemis que nous suivons vraiment sa véritable voie. Le soir du 28 juillet 1958, j'avais la chair de poule et mon corps tremblotait involontairement. On dirait qu'il présumait un événement. En plus de cela, la fièvre m'avait cloué au lit durant toute la nuit. Le matin, je suis allé au travail malgré mon indisposition. Avant de partir, j'avais rappelé à mon épouse de se préparer en conséquence pour réserver un accueil très chaleureux à Papa Mfumwa Longo, qui nous arrivera au courant de la journée afin que nous puissions nous entretenir au sujet de mon récent voyage. Ensuite, je lui avais recommandé d'informer les kimonguistes de la contrée de l'arrivée de Papa Dianyenda Kuntima afin que nous puissions le recevoir avec un faste. En arrivant au travail, on me présenta, à ma grande surprise, un télégramme qui me priait de descendre d'urgence à l'hôpital de Kimpese où mon petit frère est admis pour des soins très intensifs à la suite d'un accident mortel qu'il a eu à Lukulu. Et il se trouve à l'agonie. Le télégramme insista que je descende illico au lieu indiqué, sinon je ne trouverai pas mon petit frère en vie. La lecture de ce douloureux message m'avait immédiatement projeté au sol. Et c'était le début de mon calvaire, de ma santé qui me tourmente jusqu'à ce jour. C'est pourquoi je vous demanderai à tous de ne pas faire trop de calomnies et de médisances au sujet de sa personnalité, car il n'a jamais causé du tort à aucune personne. Depuis la mort de mon père, j'étais responsabilisé pour veiller sur toute leur situation, donc mes frères. C'est ainsi que je ne tolère jamais qu'ils soient critiqués et souillés par des propos malveillants. Beaucoup d'informations et de médisances ont été dites au sujet de l'origine de ma maladie. Maladie. Mais je tiens à vous informer que la source principale de la précarité de ma santé
remonte au 29 juillet 58 à 4 heures du matin lorsque j'avais appris à travers le télégramme l'accident mortel de mon petit frère avait fait à Loukoulou en entrant en collision avec un camion Ben. Papa et maman, il faudra que nous pensions chaque fois aux souffrances que Papa Mfumwa Longo avait vécues en cette date. Et nous débarrasser des actes barbares qui vont toujours à l'encontre de la volonté divine. Je répète, papa et maman, papa qui sont le kélé loukélo, mon modèle politique, le fort, Dieu juge, parle. Il faudra que nous puissions chaque fois. Il faudra que nous pensions chaque fois aux souffrances que Papa Mfumwa Longo avait vécues en cette date. Et nous débarrasser des actes barbares qui vont toujours à l'encontre de la volonté divine. Car sans l'assistance de Dieu, nous ne serions pas ensemble en ce lieu. Je vous apprends que la lecture de ce télégramme contenant cette triste nouvelle m'avait ce jour-là paralysé le cœur à tel point que le corps médical m'avait donné des somnifères afin de calmer mes traumatismes. Mais malgré cela, j'étais toujours dans l'incapacité de faire disparaître mes soucis. L'amour que nous manifestons, mes frères et moi, n'est pas un acte d'hypocrisie. L'amour que nous manifestons, je répète, l'amour que nous manifestons, mes frères et moi, n'est pas un acte d'hypocrisie, mais au contraire, une véritable démonstration de sympathie et d'amour sincère qui nous unissent réciproquement. C'est pourquoi je vous invite de ne pas faire trop de médisances ou de critiques malveillantes à l'égard, parce que je n'aime jamais ce genre de comportement. Je répète, l'amour que nous manifestons, mes frères et moi, n'est pas un acte d'hypocrisie, mais au contraire, une véritable démonstration de sympathie et d'amour sincère
qui nous unissent réciproquement. C'est pourquoi je vous invite de ne pas faire trop de médisances ou de critiques malveillantes à leur égard, parce que je n'aime jamais ce genre de comportement. L'amour que nous manifestons, mes frères et moi, n'est pas un acte d'hypocrisie, mais au contraire, une véritable démonstration de sympathie et d'amour sincère, qui nous unissent réciproquement. C'est pourquoi je vous invite de ne pas faire trop de médisances ou de critiques malveillantes à leur égard, parce que je n'aime jamais ce genre de comportement. C'est ainsi que notre conduite doit être orientée dans le sens du respect des principes, afin que nous puissions défier nos ennemis qui ne cessent chaque fois de dramatiser la moindre faute d'un chrétien kimbonguiste par des propos malveillants ou ironiques, condamnant sévèrement notre conduite, sous prétexte que nous prétendons prier le vrai Dieu, alors que toutes les églises exaltent le même Dieu que nous. Toutefois, si ces gens agissent ainsi à notre égard, c'est parce qu'ils savent consciemment que Papa Simon Kimbangu est vraiment un véritable envoyé de Dieu et veulent de ce fait que nous marchions selon sa volonté. Les kimbonguistes sont parfois privés d'augmentation de salaire dans leurs entreprises, dans notre pays. Car selon les gens, nous kimbonguistes n'aimons pas l'argent. Certains sont même renvoyés par ironie parce qu'ils aillent chercher, pour qu'ils aillent chercher de l'argent chez Papa Simon Kimba. Dieu, par sa bonté, nous a accordé une échéance sur cette terre. Et il viendra un jour pour donner une bonne récompense à tous ceux qui aiment son nom. Certaines personnes manifestent une attitude d'hypocrisie à l'égard de son éminence en extériorisant la joie en sa présence physique, alors qu'elles ont des mauvaises pensées au fond de leur cœur. Papas et mamans, j'éprouve beaucoup de peine pour continuer ce message. Je vous exhorterai seulement de nous insérer dans vos prières quotidiennes à cause de nos santé respectives. Papa Mfumo Longo est parti ce matin à Lukulu pour voir le lieu de son accident en 1958. Nous demanderons de ce fait à l'Éternel de le protéger durant son voyage, afin qu'il se passe dans des bonnes conditions. Papa et maman, nous venons de loin et notre destination est proche. Nous devons de ce fait marcher dans la crainte de Dieu afin qu'il puisse nous assister continuellement ici-bas
Parce que nous sommes des ses serviteurs. Nous sommes ses serviteurs. Papa et maman. Je ne serai plus long dans mon adresse, car ma santé me tourmente. Toutefois, je demanderai à chacun de vous de beaucoup penser à la portée de cette journée et surtout de bien appréhender le pourquoi de notre rassemblement de ce jour en ces lieux. Nous devons toujours nous poser la question, le pourquoi de la souffrance du papa Fumalo. À travers Papa Fumalongo, à travers cet accident et encore sur le sens de l'écoulement de son sang. Dieu nous a tracé une voie, une bonne voie. Il faudra de ce fait que nous soyons des enfants respectueux, ayant un amour sincère. Un amour sincère envers lui. Car tôt ou tard, toute la vérité sera dévoilée sans autre forme de procès. Pour terminer, je vous demanderai une fois encore de nous insérer dans vos prières pour que Dieu puisse nous aider dans la lourde tâche que nous avons vis-à-vis de vous, afin que nous vous amenons à bon port au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kinshasa, Matete, 11h06, mardi 29 juillet 1986. Papas et mamans, Dieu a parlé. Mon modèle politique a dit. Kikulukuta, Lukulu, quel rapport? Le rapport est que le dernier Lukulu, il s'appelait Papa Watula Mathieu. Papa Watula Mathieu, quand tu as quitté ici à Paris, j'étais le témoin. J'étais parmi les gens qui étaient rapprochés vis-à-vis de lui, parce que même dans son le costume qu'il est parti avec sous-sol, c'est moi qui l'avais habillé. Et j'ai passé beaucoup de temps avec lui dans ses derniers moments de vie sur terre, à Saint-Maur-les-Fossés, auprès de sa fille, maman Christine Watula. Papas et mamans, lors de mes échanges avec papa Mathieu Watula, il me posa une fois, lors des séances d'échange entre père et enfant, il me dira, mon fils, les papas sont trois. Papa Kisolokele, papa Dialungana, papa Diengenda. Ici, nous venons l'écouter, papa Kisolokele qui dit, le 29 juillet 58, il est tombé. Et ce mal a dit qu'il avait affecté, l'a conduit jusqu'au 17 mars 1992, autrement dit 92. Papa a toujours me posé la question, mais ils sont trois. Où était donc papa Dialungana en ce jour-là? C'est les deux. Kunkulu, Bitompi, donc papa Diangenda, papa Kisolokele, ils ont connu cet acte. Mais Tata Mawawa était où? Donc papa Dialungana Kiangani. Ici, et c'est là, je vais faire état ici de Lukulu.
kikulukuta ludimba dimba ludimba diamu jojo 1958 85 et oui le Christ Jésus pour pas dire longana il est resté sous le soleil comme une année la seconde venue bandimi ya sogolo boyoka likambo nekuluzu kolwa bakisa makala kala asekwaki baye balobi sosoliete kinole lokolo ajanikaka na ekuluzu nzoka kolo Yesu utakala ne halonga kiliwa na e abota mili susukati Kongo, bana ya Kongo, babele li Noël. Noël elonga, elongi si pandimi, mingi ba wanganiye. Mingi ba sosoli ete, bakani si ete. Akoya ne kuluzu Mingi basosoli ete bakanisi ete Akoya ne kuluzu Mibutu komwa mena mitanwa salili Mibutu komwa mena mitanwa salili Mi buto kumwa mena mitanwa saleli. Kachinya bakungu. Mi buto kumwa mena mitanwa saleli. Kachinya bakungu. Haha. 85 ans. Suivant la bonne musique, la vraie, la bonne, suivant. Qui ne veut pas danser, mais une musique bien pensée et bien conçue, car tel est le don qu'il a reçu de la part de son Père depuis les cieux. Cette corde de musique aurait été construite en Kamba. C'est en Kamba, cette corde de musique aurait été construite. En Kamba, où tout le monde doit monter. Les cordes de musique devaient être construites en Kamba. Quel est le don du maestro avec la baguette. Très respectueusement. Nous avons foi. On se dit à vous, Kamboani. La musique, ce don, Saluki Wavewa. Mfumu Wabaso Lele. Fumu wabaso lele. Nani wabaso lele. Nkamba. Papa Watula Mathieu me dit. Mais oui. Mais 85 ans. 58, 85, mais oui, ils sont unis, les trois en homme, oui. Sa divinité est à peu près tous les noms. Le Kintsu se pose problème. Kintsu se n'a rien passé. Kadi, Kintsu se voit et dit, qui est-ce qu'on a ça? On voit tout, oui, de Kinkulu Keto. On a n'y a qui Congo. Même quand tu lèves le téléphone, tu as dit que 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 tu as
siya kufila leke wenda kuna kadi ngeye nkuna ngeye nkuna dada kimbangu wenda kuna wakuna jambu ya mono ye mbandu ya nkakakia wakali mwananga ya ukwe mbandu ya tata yoye na muna mfumu wa mbanza katiswa kakavoe kakakia wanga wena kogo ngudiame ngudia longo fronsi gine lufinama tufo kwenye